Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors j'avais envie de lancer un petit hashtag. Hashtag amour de jeu. C'est très simple. On présente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jeux. 7 jeux, 7 c'est un bon chiffre. C'est le chiffre du bonheur. Voilà, 7. Donc, premier amour. Le premier jeu à faire battre mon cœur. Voilà. Le jeu qui a, qui a vraiment lancé votre tarophilie, on va dire. Voilà. L'amour-déception, jeu fondé de grands espoirs en lui, et flop. Le polyamour, ce jeu se combine bien avec d'autres jeux. L'amour-vache, il n'hésite pas à me dire des vacheries, remises en question garantie. L'amour éternel. Notre relation dure depuis des années. L'amour impossible, lui et moi, ça ne colle pas. Amour naissant, ce jeu est nouveau et m'inspire déjà des sentiments. Voilà, voilà les amis. Donc je vous mettrai ce petit hashtag Amour de jeu en description. Y participe qui veut. Voilà. Donc je vous invite à jouer le jeu pour les tarotphiles pour toutes les personnes qui ont des chaînes YouTube et qui présentent des jeux ou qui font des tirages régulièrement avec plusieurs jeux, vous êtes bienvenus. Voilà, je vous invite à participer à ce petit hashtag pour la Saint-Valentin. C'est ma façon, en fait, de rabibocher un petit peu tout le monde, de rassembler tout le monde autour du thème de l'amour. Je me suis dit qu'un petit hashtag amour de jeu, ça pouvait faire un grand hashtag amour entre cartomanciens. Voilà, un gros bisou à tous et à bientôt. Ciao, ciao